et unicité de l'Église, arche du salut, un florilège anti-écuméniste orthodoxe du 1 siècle au 21e siècle. Leurs paroles sont plus douces que l'huile et ce sont des traits acérés. Psaume 54, 22. Adversus ecumenismum, le second millénaire, le 20e siècle. Ces exemples sont destinés à devenir un jour anciens et indispensables aux générations futures, même si à l'époque qui est la leur on leur accorde moins d'autorité, à cause de la vénération dont on entoure par principe l'antiquité. Mais laissons de côté ceux qui jugent la puissance d'action unique de l'Esprit Saint, qui est unique, en fonction des siècles écoulés. Alors qu'il faut considérer comme plus important les exemples les plus récents, en tant qu'ils sont les tout derniers, conformément à la surabondance de grâce, a été accordé pour la fin des temps. La passion de perpétue et félicité, prologue, chapitre 1, paragraphe 2 à 3, composé vers 203-204 de l'ère chrétienne. Saint Justin de Chelier L'écuménisme est l'appellation commune englobant les pseudo-christianismes, les pseudo-églises de l'Europe occidentale. Tous les humanismes européens, le papisme en tête, lui ont apporté leur plus entier soutien. Tous ces pseudo-christianismes, toutes ces pseudo-églises ne sont rien d'autre qu'hérésie sur hérésie, se suivant l'une l'autre. Leur appellation évangélique commune est pan-hérésie. Pourquoi cela Parce qu'au cours de l'histoire, des hérésies variées ont renié ou déformé certains aspects du Dieu homme et Seigneur Jésus-Christ. Ces hérésies européennes l'ont entièrement destitué, et ont instauré à sa place l'homme européen. Sous ce rapport, il n'y a aucune différence essentielle entre le papisme, le protestantisme, l'écuménisme et les autres hérésies, dont le propre nom est Légion. Saint-Justin le Nouveau de Tchellier, L'Église orthodoxe et l'écuménisme, Partie 2, L'écuménisme humaniste, 1974. Tel est l'enseignement que l'Église orthodoxe et divino-humaine du Christ, à travers les saints apôtres, les saints pères et les saints conciles, a formulé au sujet des hérétiques. Les hérésies ne sont pas une Église, et ne sauraient en aucun cas être une Église. Par conséquent, elles ne peuvent pas avoir de saint mystère, en particulier le mystère de l'Eucharistie, ce mystère des mystères, justement parce que la Sainte Eucharistie concentre la totalité et l'intégralité de ce qu'est l'Église. Elle est le Dieu-homme, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Elle est l'Église même, et tout ce qui en général relève du Dieu-homme. L'intercommunion, à savoir participer au Saint Mystère avec les hérétiques, et en particulier à la Sainte Eucharistie, constitue la trahison la plus éhontée de notre Seigneur Jésus-Christ, la trahison de Judas. C'est plus spécifiquement la trahison de l'Église une et unique du Christ dans son ensemble, de la sainte tradition de l'Église. Dans son ensemble, il faut véritablement s'être soi-même dépouillé de tout état d'esprit chrétien, de toute conscience chrétienne des divers sacrements, de leur signification sacrée et des saints commandements, pour oser faire une telle chose. Dans l'enseignement orthodoxe au sujet de l'Église et des mystères, le mystère intégral et unique par excellence est l'Église elle-même, le corps du Dieu-homme Christ, de sorte qu'elle constitue elle-même la seule source. Est le seul contenu de tous les divins mystères. En dehors de ce mystère divino-humain et intégral de l'Église, qui est le pan-mystère même, le mystère suprême ou total, il n'y a pas, et ne saurait y avoir, de sacrement. Par conséquent, il ne saurait y avoir non plus d'intercommunion sacramentelle. Nous ne pouvons parler à juste titre de mystère qu'au sein du contexte de cet unique pan-mystère qu'est l'Église. Il en va ainsi, car l'Église orthodoxe, en tant que corps du Christ, est la source même et le fondement des mystères, et non l'inverse. Les mystères ou sacrements ne peuvent être élevés au-dessus de l'Église, ni considérés indépendamment et en dehors du corps de l'Église. En raison de tout cela, en accord avec l'esprit de l'Église catholique du Christ, et avec la tradition orthodoxe tout entière, L'Église orthodoxe ne reconnaît pas l'existence d'autres mystères ou sacrements en dehors de son propre saint. Elle ne peut les reconnaître pour tels, et nul ne peut recevoir les sacrements avant d'avoir quitté les églises des hérétiques, c'est-à-dire des pseudo-Églises, et de s'être, par le repentir, tourné vers l'Église orthodoxe du Christ. Tant que cela n'est pas d'abord accompli, on demeure hors de l'Église, non uni avec elle par le repentir, et l'on est, du point de vue de l'Église, un hérétique exclu de la communion salvatrice. Car quelle société peut-il y avoir entre la justice et l'impiété, ou quelle communion peut-il exister entre la lumière et les ténèbres? Deuxième épître aux Corinthiens 6, 14. De même que la personne du Dieu Homme, le Christ, est une et unique, de même l'Église a été fondée par lui, en lui et sur lui, comme une et unique. L'unité de l'Église découle nécessairement de l'unité de la personne du Dieu-homme, le Christ. Organisme organiquement un et unique du Dieu-homme dans tous les mondes, l'Église ne peut être divisée, selon toutes les lois de tous les mondes. Toute partition signifierait sa mort. Tout entière dans le Dieu-homme, l'Église est avant tout et en tout un organisme divino-humain, et ensuite une organisation divino-humaine. Tout en elle est divino-humain. La vie, la foi et l'amour, le baptême et l'eucharistie, comme tous ces saints mystères et toutes ces saintes vertus, de même que tout son saint enseignement, sa sainte vie et sa sainte immortalité, avec toute sa sainte éternité et toute sa sainte structure. Oui, oui, oui. Tout en elle est une réalité divino-humaine, une et indivisible. La christification et la sanctification, comme la déification et la transfiguration. La trinitarisation et le salut. En elle, tout est lié pour ne plus former qu'une unité, organique et bénie, dans l'unique corps divino-humain, sous une tête unique, le Dieu-homme, le Seigneur Christ. Saint-Justin le Nouveau de Tchellier, Philosophie orthodoxe de la vérité, tome 4. C'est dans l'Église que se réalise la prière sacerdotale du Sauveur. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en eux. Qu'il soit un en nous, qu'il soit un comme nous sommes un, moi en toi et toi en moi, qu'il soit parfaitement un. Voir l'Évangile selon Saint Jean 17, 21 à 23. Telle qu'est l'unité divino-humaine de la foi, telle aussi l'unité divino-humaine de l'Église. L'ontologie de la foi est aussi l'ontologie de l'Église. En tout et pour tout elles dépendent l'une de l'autre. En tout et pour tout elles proviennent l'une comme l'autre du Dieu homme. Dans le Dieu-homme et selon le Dieu-homme. L'unité et l'unicité de la foi divino-humaine fournissent la base et le fondement de l'Église du Christ tout entière. Il est historiquement évident et indubitable que c'est dans le Dieu-homme que se trouvent tous les saints mystères et toutes les saintes vertus qui réalisent notre christification, notre divino-humanisation, notre divinisation, notre trinitarisation, et à travers tout cela, notre salut. Pour nous, les hommes, c'est bien là l'unité la plus parfaite et la plus plénière. C'est l'unité totale. À nous, les hommes, la foi divino-humaine au Christ donne tout ce qui est nécessaire à notre être pour la vie éternelle dans tous les mondes de Dieu. Sans elle, l'être humain n'est plus que l'horreur des horreurs, la malédiction des malédictions. C'est par la foi que nous pouvons nous trouver et subsister dans l'Église du Sauveur. Elle vient tout entière de l'Église et se trouve tout entière dans l'Église. Une et unique, du haut jusqu'en bas, cette foi est transmise au sein une fois pour toutes. Épître catholique de Saint Jude, III, par le Dieu-homme, le Seigneur Christ, à travers toute son économie divino-humaine du salut, c'est-à-dire par l'Église orthodoxe. Saint Jean Cassien proclame cette vérité divine lorsqu'il dit Il ne fait pas de doute que celui qui ne garde pas la foi de l'Église se trouve hors du salut. De l'incarnation du Seigneur contre Nestorius, livre 3, chapitre 14. À la suite des saints apôtres, tous les saints pères et maîtres de notre Église ont confessé avec une sagesse toute chérubique et une fermeté toute séraphique l'unité et l'unicité de l'Église orthodoxe. On ne doit pas comprendre autrement l'ardente résolution que manifestaient les pères de l'Église devant toute séparation et toute déchéance hors de l'Église, ainsi que leur comportement sévère à l'égard des hérétiques et des schismatiques. De ce point de vue, les cinq conciles écuméniques et locaux sont d'une importance divino-humaine exceptionnelle. C'est d'après la sagesse en Christ de leur esprit et de leur comportement que nous savons que l'Église non seulement est une, mais qu'elle est aussi unique. Dans le Seigneur Christ, il ne saurait y avoir plusieurs corps. De même, il ne peut exister en lui plusieurs Églises. Dans son être divino-humain, l'Église est une et unique. Tout comme le Dieu homme, le Christ est un et unique. C'est pour cette raison que la division, la scission de l'Église est une chose ontologiquement et essentiellement impossible. Il n'y a jamais eu de division de l'Église, il ne saurait y en avoir, mais il y a eu et il y aura des chutes hors de l'Église, comme des sarments stériles tombant desséchés du cep divino-humain éternellement vivant qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Voir l'Évangile selon saint Jean 13, 16. De la seule et unique Église indivisible, à différentes époques, se sont détachés et ont déchu des hérétiques et des schismatiques, qui ont ainsi cessé d'être des membres de l'Église et des composants de son corps divino-humain. C'est ainsi que s'en sont d'abord détachés les gnostiques, puis les ariens, puis le pneumatomaque, puis les monophysites, puis les iconoclastes, puis les catholiques romains, puis les protestants, puis les uniates, puis et ainsi de suite, les autres membres des légions hérétiques et schismatiques quiconque se sépare de l'église devient étranger à ses promesses celui qui abandonne l'église du christ se prive de la récompense qui lui a été préparée par le christ il devient inutile étranger hostile celui qui n'a pas l'église pour mère ne peut pas avoir dieu pour père Abere non potest deum patrem qui ecclesiam non habet matrem Quiconque reste hors de l'Église ne peut être sauvé, de même que personne ne pouvait être sauvé s'il n'entrait dans l'arche de Noé. Le Seigneur le dit pour notre instruction. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et qui ne rassemble pas avec moi dissipe. Évangile selon Saint Matthieu 12, 30. Celui qui rassemble ailleurs que dans l'Église dissipe l'Église du Christ. Cet homme n'est pas sur la voie du salut. Saint Cyprien de Carthage, sur l'unité de l'Église catholique. Chapitre 6 C'est la foi des apôtres et des saints-pères, c'est le dogme des apôtres et des saints-pères, c'est la vérité des apôtres et des saints-pères, que hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Car hors de l'Église, il n'est pas de Christ, il n'est pas de sauveur en qui pourrait se trouver le salut universel. Le bienheureux Théodoret de Cyr, 5 siècle, enseigne que le salut nous est transmis par l'Église, et que celui qui se trouve hors de l'Église n'obtiendra pas la vie éternelle. Commentaire sur Josué, paragraphe 2. Sur toute la terre, l'Église est une, mais elle se compose de cités, de villages, de hameaux, et de même qu'une ville rassemble en elle-même de nombreuses maisons particulières, tout en ne formant qu'une seule ville, de même il existe d'innombrables Églises orthodoxes, dans les îles et sur le continent, mais toutes ensemble, réunies puisqu'elles se tiennent au même dogme de la vérité, forment une même Église. Voir Théodore de Cire sur le psaume 47, 4. Répandue par toute la terre et sur les mers, les églises orthodoxes s'appellent le corps du Seigneur Christ. C'est de lui qu'elles reçoivent les sources de la lumière. Voir Théodore de Cire sur le psaume 131, 18. Lors de la Pentecôte, la rosée vivifiante du Très Saint-Esprit a été répandue d'en haut pour la sanctification des apôtres, de qui tous les croyants, les fidèles orthodoxes, Reçoivent le salut éternel. Voir Théodore de Cire, sur le psaume 133, 3. Saint-Justin le Nouveau de Tchellier, Philosophie orthodoxe de la vérité, tome 5. Tout ce qui altère la foi divino-humaine, tout ce qui la gauchit, la mutile ou l'anéantit, tout cela est une hérésie. Par tous ses actes, sinon par ses paroles, tout orthodoxe anathématise tout hérétique. Un temple souillé par les hérétiques n'est pas un temple saint de Dieu. C'est une maison ordinaire, comme le dit saint Basile le Grand, puisque l'ange présent en toute église s'est retiré de celle-ci. Voilà aussi pourquoi le sacrifice qui y est célébré n'est pas reçu de Dieu. Le Seigneur Christ interdit de faire la guerre, de verser le sang et de tuer. C'est pourquoi il ne faut pas tuer non plus les hérétiques. Non seulement il ne faut pas tuer les hérétiques, mais il ne nous est même pas permis de leur souhaiter du mal. Il faut au contraire prier pour eux, comme le Seigneur nous l'ordonnait au moment de sa crucifixion, lorsqu'il disait à son Père, Pardonne-leur leurs péchés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Évangile selon saint Luc, 23, 34. L'Église ne se venge pas par l'épée. Oui, il ne convient pas à l'Église de Dieu de se venger pour les coups reçus, les persécutions et les emprisonnements. La loi de l'Église ne menace personne ni du couteau, ni de l'épée, ni du fouet. Le pain des hérétiques n'est pas le corps du Christ. Pour les chrétiens orthodoxes, il est nécessaire de se rapprocher avec amour, en particulier lorsque le diable découpe le corps du Christ sous le tranchant des hérésies. Saint Justin le Nouveau de Chalier, Philosophie orthodoxe de la vérité, tome 5 oh you